Alors voilà, je vous ai déjà parlé de plusieurs films, en passant par des longs-métrages très connus comme Iron Man, que par des comédies romantiques oubliées comme She's All That. Mais s'il y a bien un genre dans le cinéma auquel j'ai toujours été plus ou moins indifférent, c'est les films de guerre. Depuis tout petit, les seuls films historiques que j'ai appréciés se comptent sur les doigts de la main, que ce soit Il faut sauver le soldat Ryan ou encore La liste de Schindler, ces longs-métrages ont su me procurer de l'émotion là où les autres ne faisaient que m'ennuyer. Et parmi ces chefs-d'œuvre cinématographiques, l'un d'entre eux a été réalisé par l'un de mes cinéastes préférés, Christopher Nolan. C'est donc après avoir compris l'opportunité que m'offrait mon lycée que j'ai décidé de vous emmener avec moi sur les lieux de tournage du film Dunkerque. Un petit peu dans le contexte, ce séjour a pour objectif de nous faire comprendre ce à quoi correspond l'opération Dynamo. Et comme dans cette vidéo vous allez être amené à visionner des images de musées en rapport avec cet épisode historique, et qu'il s'agit en plus de l'intrigue principale du film, en voici un léger résumé. L'opération Dynamo se passe pendant la Seconde Guerre mondiale à Dunkerque. Du 26 mai au 3 juin 1940, 15 à 20 000 soldats français se sont mobilisés pour contrer les troupes allemandes afin de permettre l'évacuation par bateau de 338 000 soldats alliés britanniques. Ainsi, les images que vous allez voir aujourd'hui ont toute une importance très particulière à mes yeux, puisqu'elles servent à montrer chacune à leur manière la souffrance derrière cette opération. Un épisode historique trop méconnu auquel nous allons aujourd'hui nous intéresser, et pour ce faire, direction le Cap Grinet. Construit par le Troisième Reich, il devait empêcher le débarquement des Alliés depuis la Grande-Bretagne, et pour y parvenir, les Allemands y ont installé 4 canons, dont le seul en bon état est ici, qui pouvait atteindre des cibles jusqu'en Angleterre, à une trentaine de kilomètres. C'est quoi? Le vent il est tellement puissant, on dirait que j'avais fait une queue de cheval. Le vent de ce plan il est magnifique. Pareil, c'est peut-être un plan. Mais vous quoi les gars? Pourquoi vous rigolez les gars? Pourquoi vous baladez les gars? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous baladez les gars? Mais ouais, pourquoi les gars? Bah on est dans le village là. Oh mec, viens voir. J'allais te dire, viens voir, il y a l'Angleterre. Mais c'est pas du tout l'Angleterre. Il y a juste un petit bout de terre là. Tu fais là toi? Qu'est-ce que tu as? Mec, ça fait flipper et tout. Et c'est après une longue journée très riche en apprentissage que nous avons été découvrir notre chambre d'hôtel et la ville qui nous intéresse tout particulièrement, Dunkerque. Attends, mais c'est quoi ça? Bon, on va tous mourir. Le bois très très rassurant tout ça. Mais en fait c'est pas une usine à construire les bateaux ou je sais pas quoi. En vrai moi j'aime bien le port même s'il est un peu nu à chier. Oh mais il est dégueulasse. Mais moi je comprends pas hein. Ah franchement j'aime bien. On est vraiment dans une zone en construction genre bien usine, bien polluante. Le film il est bien parce que c'est... Ouais il est cool. Bah par contre il est... T'aimes bien les films qui sont contemplatifs? Oui. Bah c'est bon alors. Puis c'est un film de Nolan aussi hein, finalement. Tu prends foot. Moi je prends tout moi. Moi je filme tout, regarde les voitures, moi je filme les voitures. Mais regarde en plus on est à la mer en face. Oui mais on la voit pas parce qu'il y a une putain de muraille. Ouais. Ouais. Ouais mais quand même on a la mer quoi. Bon là on est des voitures. Ça, on roule en Twingo. Oh putain les bâtards pour les prendre le point avant de se réveiller. J'espère vraiment que ça va être bon. C'est mon dernier espoir. Et là il y a un cut, on voit ta tête après la réaction du repas. En mode dépression sur le lit, genre c'était de la merde. Alors
c'est de la merde. La visite des lieux de tournage approchait donc de plus en plus, et pour passer le temps, nous avons été nous promener dans les rues de cette dernière. Et c'est ainsi que, sans m'en rendre compte, j'étais déjà en train de marcher sur les pas de Christopher Nolan, puisque toutes les scènes que vous voyez sur la plage ont été tournées ici même. Et ce ne sera qu'après avoir revu le film le soir même que mon cerveau se connectera enfin, ce qui me vaudra de regretter amèrement de ne pas en avoir profité davantage. Ah putain. Eh, on en parle que dans 3 minutes, je vais plus assumer là. Vas-y, mais je vais tellement jamais à la mer aussi, moi. Eh, on est, c'est pas souvent qu'on est à Dunkerque, hein. Vas-y, prends ton temps, t'inquiète, c'est pas crucial, on avait une demi-heure pour tout visiter. Putain, mais tu vas être même chiant sur le sable. Mais gros, c'est le pire sable que j'ai. Oh, regarde, c'est très stylé tout ça. Mais si, regarde. C'est très beau en plus. Vous savez, j'aime bien la mer. Hein. Et puis là, j'ai un peu l'impression d'être dans un décor de dune. Mais regarde, c'est beau, putain. Arrête de trop t'éloigner. Et pourquoi? Mais moi, je suis jusqu'au bout. Hein. Wow. Regardez, en vrai, depuis tout à l'heure, on est là, on voit la ville de Dunkerque, tout ça. Mais en vrai, c'est plutôt stylé. Enfin, moi, j'aime bien. Après, c'est peut-être aussi le fait que, comme je suis très, très, très casiné et que je sors très peu de chez moi, bah du coup, je me suffis de peu. Mais globalement, je trouve que c'est cool. Moi, j'aime bien. Donc voilà, du coup demain on ira sur les lieux de tournage de Dunkerque, donc ce sera plutôt cool, sachant que ce soir il y a une projection du film, donc on essaiera peut-être de voir, je pense que je récupérerai une version digitale de Dunkerque, et puis j'essaierai de voir en fonction des lieux si je peux récupérer les rushs qui concernent justement les lieux que je suis en train de, enfin que je serai en train de vous montrer, pour pouvoir faire des petites comparaisons, voir à quel point Christopher Nolan a su embellir ces lieux emblématiques de son film, pour justement un petit peu transformer le décor, parce qu'on le sait, le cinéma, c'est pas juste tu te pointes et tu filmes, c'est pas comme ce que je fais en fait. Eh bah tu sais en fait, hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu es aussi bon. Mais je sais pas, moi j'aime bien. Vois ta mère de merde. Ah putain, je viens de me réveiller. Je suis littéralement en slip, tout seul dans la chambre. Tout le monde s'est barré, ils sont tous partis déjeuner. Par contre, c'est quand même giga plaisant de se réveiller face au port avec la petite fraîcheur, la petite douceur du matin. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me préparer et nous, on va aller sur les lieux de tournage du film Dunkerque. J'ai toujours eu une relation particulière avec le cinéma. Comme pour beaucoup d'entre nous, j'ai grandi, j'ai appris des choses et j'ai découvert des émotions avec lui. Que ce soit avec des films d'action ou des films d'animation pendant mon enfance, en grandissant également avec de la fantasy, de la science-fiction, de la comédie et de l'horreur, bref, j'ai toujours essayé d'éviter le plus possible tous ces autres films qui traitent de la guerre, et quand ça m'arrivait d'en regarder, c'était uniquement pour l'amour de la comédie, avec Louis de Funès, Les Charlots ou encore Pierre Mondi. Mais il y a quelques années, j'ai commencé à m'intéresser au travail de Christopher Nolan. Après avoir découvert qu'il était à l'origine de la trilogie du Dark Knight, j'ai effectivement décidé d'aller un peu plus loin dans sa filmographie, découvrant ainsi des chefs-d'œuvre tels que Inception ou encore Interstellar, jusqu'à son 17e long métrage, Dunkerque. Un film qui nous racontera l'histoire de l'opération Dynamo durant la Seconde Guerre mondiale, opération aussi bien considérée comme une défaite pour les Français que comme une victoire pour les Anglais. La première fois que j'ai vu ce film, j'avais pas vraiment d'attente, seulement celle de voir un réalisateur sachant réaliser. C'était le cas, et comme jamais je n'aurais pu l'imaginer, Christopher Nolan allait marquer mon esprit à jamais. Dunkerque est un film très contemplatif et très compliqué à regarder, et c'est justement ce qui m'a séduit. Comment rendre l'histoire d'une évacuation marine intéressante, et comment captiver l'attention de quelqu'un qui adore l'histoire, mais qui déteste les films historiques ?
Avec sa photographie et sa mise en scène aussi intéressante qu'innovante, Dunkerque restera à jamais le film qui m'a fait aimer les films de guerre. Aujourd'hui, j'ai l'impression de beaucoup plus apprécier cette partie-là du cinéma, celle qui nous offre des décors, des costumes et des scènes absolument sublimes, mais aussi et surtout celle qui rend hommage à toutes les personnes qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions toutes et tous être là. Dunkerque a su m'émouvoir et m'ouvrir les yeux, et c'est pourquoi je vous ai aujourd'hui emmené avec moi sur le lieu de tournage du film Dunkerque.